Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un gameplay sans prise de tête. Et j'ai choisi pour vous le jeu RBS, Dominated Mind, l'édition exclusive de la PS1, où vous allez avoir une belle intro animée d'ailleurs. Je parlerai peut-être pas trop comme ça, vous pourrez un petit peu en profiter. Alors, je crois qu'elle va démarrer tout de suite. Bon, effectivement, pour l'époque, on trouvait ça magnifique. Enfin, je trouve ça toujours beau. Après, ça a bientôt 25 ans. C'est vrai que tu vois qu'il y a des... C'est pas super net, ça fait penser un petit peu aux intros de Dragon Ball Z, mais c'était génial, quoi. Ça te mettait dans l'ambiance. Ah, si sur Neo Geo ils avaient pu faire des intros animées comme ça. Bon, après ils ont fait de super intros sur la US, franchement, il n'y a rien à dire. Mais ça aurait mis un espèce de plus dans tous les jeux qu'on a, les enfants. Franchement, parce que c'était vraiment la mode à l'époque. Bon, après peut-être que ça plaît pas à tout le monde, hein, mais. Moi je trouve que c'était génial. Alors là, vous avez Mr. White, le boss exclusif de la version. Et vous allez avoir l'autre personnage, Alfred, qui est aussi exclusif à cette version, qui n'est pas sur Neo Geo, qui est ici. Pensez un petit peu aux intros qu'on a eu hein, sur les jeux PlayStation et tous les Dragon Ball Z et tout, c'était excellent, hein, c'était des intros de fou. Alors, celui-ci, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a subi quand même des transformations parce que la PlayStation n'était pas forcément assez puissante. Alors par contre, je vais aller voir un peu dans les options. Non, c'est pas ça que je veux faire. Oh putain, je me suis trompé encore. C'est le problème, tu vois, des jeux Jap, quand tu les fais plus depuis un moment, tu sais plus où sont les options. Moi je vais remonter un petit peu la difficulté en fait. Alors, si on faisait comme ça peut-être. Voilà, alors attends. Normal, hard, very hard, hyper hard, strong hard. Ouf, beginner, easy, normal. On va le mettre en hard. Putain, je sais plus ce que c'est ça. Bon, on va ressortir. Donc là, on devait être ici. On va faire l'équivalent du mode story, quoi, tu vois. Hein. Alors, on va commencer. J'ai bien envie de prendre Giz pour commencer. Parce qu'avec lui, j'arrive à sortir de temps à autre le... Oui, parce que Giz, il a une auréole, forcément, puisqu'il est mort dans le Railboat précédent. Vous avez le Final Impact, qui n'existe pas. C'est un coup, je crois, qui n'est pas dans le RBS Neo Geo. J'arrive à sortir avec Giz. Alors là, forcément, vous avez eu aussi un compromis important qui change beaucoup le jeu, c'est que vous avez plus de second plan. D'accord? Bon, il a été beaucoup critiqué pour ça, mais moi j'ai envie de vous rappeler que Mark of the Wolf n'avait plus de second plan, et ça ne vous empêchait pas d'être bon, mais celui-ci c'est pareil. Après, c'est vrai qu'on voit une action peut-être un petit peu en dessous de la version Neo Geo. Alors, vous avez aussi des compromis graphiques. Il y a des stages, il y a des choses qui ont été supprimées, puis changées, puis rajoutées. Dans celui-ci, vous allez voir si je vais tout à gauche. Vous n'avez plus hein, les espèces de plots d'entraînement, là, je sais plus comment ça s'appelle, pour faire les katas. C'est des choses comme ça, un peu par-ci par-là, hein, parce que la console n'était pas assez puissante. Il manquait de RAM, en fait, la PS1 pour les jeux 2D, quoi, ce genre de choses. Et
J'avais essayé de faire comme sur Saturn, de faire avec une carte mémoire, de rajouter de la RAM, mais je crois que ça ne marchait pas. Il y a une histoire comme ça, je me rappelle. Allez, prends-moi un petit coup là, que je te fasse le Final Impact. Allez, on va essayer. Ah, il n'a pas marché! Quand il marche, en fait, t'as un espèce d'écran rouge qui s'affiche, avec en gros marqué Final Impact, et là, c'est la folie. Punaise, si on avait pu avoir des chargements aussi rapides sur nos CD, je te garantis que la console aurait été mieux, vendue. Ah, ce stage est magnifique. Bon, après, revenir avec une PlayStation, une manette PlayStation 1, c'est pas forcément évident. Ah putain, c'est pas vrai! Pourquoi il marche pas? Ça, j'éteins la cam, il marche, je mets la caméra, il marche plus. Ah, puis les musiques, elles sont excellentes. Pour moi, c'est... Enfin, RBS en général, hein. C'est vraiment le meilleur Fatal Fury, quoi. Devant Mark of the Wolf, parce que en fait le roster de Fatal Fury RBS, quoi, il est vraiment excellent. Oh, tu commences à me casser les pieds, toi. Ah, ça y est, j'ai reçu le vert. Ah, putain, ça a arrêté, je crois qu'il fallait enchaîner. Ah. Donc, je suis content en tout cas de vous l'avoir montré. Vas-y, on peut presser dans le gratin. Oh putain, mais c'est pas vrai! Pourquoi il n'enchaîne pas? Oh, tu vois, j'ai fait un enchaînement de fou! Il doit y avoir d'autres manies. Bon, après, si je perds, je changerai de perso. Alors, on arrive au stage de Tom qui a toujours des stages, lui. Déjà dans le spécial qui était complètement magnifique. Alors là, pareil, tu as des compromis. C'est-à-dire que tu vois, là, au bout du stage, je crois qu'il n'est pas comme ça. Il y a un panda là, qui est en train de manger, là, tranquille, qui fait son apéro. Et tu as les barques qui ont été rajoutées, qui ne sont pas sur Néo. Par contre, c'est d'aller à droite, là, mais il ne veut pas. Tu vois, là, le stage, il s'arrête plus tôt. Et tu peux pas casser le décor, comme sur la version AES. Ce qui est un peu dommage. Mais bon. Ouais, pour que ça fasse métier, parce que lui, quand il est en power, j'essaie de faire la fusée, là. Oh, calme-toi, le vieux. Voilà. Après, en level hard, tu vas arriver jusqu'au boss, mais par contre, je vous garantis pas de battre le boss, parce que le boss, déjà, en mode normal, il est assez pas trop dur. Hein. Crozer sur ABS, tu le finis. Là, non, tu finis pas. Ah, pardon, on va essayer de faire la Fury, là. Ah, il veut pas. Bon. Ah, putain. T'as le final impact avec la 3 et le carré, c'est pour faire Fury. Mais la Fury, qu'est-ce qu'elle est dure à sortir sur celui-là, putain. Je vais faire la guise, de toute façon, elle est toujours difficile. Ah ben voilà, ce stage-là, il va y avoir d'autres compromis. Pareil, hein, il y a une baraque à poulet là, qui est un peu dans le décor, qui normalement est à droite et que tu peux casser. Ce Guise, bon, c'est un perso cheaté. Les gars, j'avance parce que le Guise, voilà, c'est facile, hein, faut le dire. Il est le bastos. J'aimerais bien juste vous faire la furie un petit coup de Guise. Ah, j'ai... Putain, j'ai pas réussi. Ah, dommage. Putain. Sur Rising Storm, là, putain. Il y a un timing pour la rentrer. Bon, ça y est, l'ordi commence à s'énerver. Au moins, il y a du répondant.
Je vous avoue que j'avais commencé à faire une vidéo en fait en mode normal pour vous. Je me suis dit, non, mais attends. C'est limite, je faisais des perfects, c'est bon, l'ordi répondait pas. Ouf, c'était chaud, hein. Le stage de Terry aussi a subi des petites modifications. Bon, la plage elle était vide en fait dans le RDS. Là tu vois le mec qui est debout, là tu es en train de boire son truc. Les autres qui jouent au handball, au handball, au volleyball, enfin n'importe quoi. Et un dit qui me casse le cul. Et il n'y a pas le bateau à gauche, tu vois. Normalement, il y a un bateau, il me semble. Mais bon, je t'avoue que moi, j'ai connu ce jeu-là sur PlayStation, et c'est le premier RBS que j'ai connu. Et... putain, j'étais aux anges, quoi, de jouer à ce jeu-là sur Terry. Hein. Franchement. Hein. Après, j'étais encore aux anges aussi, dès que j'ai joué sur Neo Geo. Hein. Putain, j'étais un fou. Mais du coup, je trouve que c'est une... une version qui apporte son petit truc, tu vois. Allez, vas-y, fais la tuerie, putain. Ah, j'y arrive pas. Ah, il est pas, hein. Bon, je vais prendre Kim. On va changer un petit peu de perso. Comme ça, ça fait pas de théorie. Casse la bouche, oh. Les couleurs de ce jeu sont magnifiques, putain. Je vois un chien noir dans ce jeu, putain. Oh putain, mais c'est pas... oh, j'en repars un peu. Oh, c'est terrible. En fait, après, quand tu es habitué au stick à l'air, c'est putain, mais pour jouer, faire certains coups, sur la manette PlayStation, c'est trop dur. J'ai failli y rester encore. Hein. À prochaine défaite, je changerai, je partirai sur Andy. Oh putain, Lawrence. Alors lui, par contre, quand il s'y met, c'est chaud. Hein. Esquive et tout là. Le pire lui c'est quand il a sa barre de furie qui est à fond là. Oh,
tu sais plus comment on fait pour affronter Crozer, parce que là, du coup, tu l'affrontes pas, je parle dans celui-là. Je sais plus si on l'affronte ou pas. C'est plus un ordre, c'est plus un truc par rapport à la version RDS. Tu vois, ça, si tu peux l'éviter, quoi. Je crois que non. Wouah, putain, ils vont me le mettre dans la gueule. Tu as aussi, ouais, des espèces de con petites poulets, là. Oh putain, ça y est, il est vénère. Wouah, ça y est, il défonce la bouchasse. Tu vois, je te l'avais dit tout à l'heure, hein. Putain, il m'a fessé dans la bouche. Tu retrouves quand même la difficulté, la Néo dans ce jeu. Ils ont quand même assez. Ils ont bien conservé en fait l'esprit à Sanuka. Franchement, rien à dire. Bon, allez, on va aller sur Terry un petit peu. En tous les cas, je ferai une boucle. Je reviendrai sur Guise si c'est trop dur. Oh putain, il va me casser la bouche encore. Putain, je me prends du bouton. Oh, oh là 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 là, ce qui m'a mis. Second plan aussi pour te permettre d'esquiver, quoi. Là, c'est, tu prends dans la bouche, hein. Ah putain, c'est quel bouton, merde. Ouais, du coup, les boutons, c'est pas exactement pareil. C'est-à-dire, t'as le coup fort, mais c'est plus les mêmes coups que dans le RBS. Parce que dans le RBS, il me semble que avant carré, il fait un truc. Wouah, je compte bien la sortie celle-là. Elle est trop belle. Bah, elle est pas difficile, hein. On va se cacher. Non. Vas-y, Taras. Oh putain, là, il a une power à fond, il va me niquer. Il va me le faire. Oh putain. Non, je suis dégoûté. Oh. Putain. Après, c'est pour ça que je fais des vidéos comme ça, c'est rigolo, en même temps on joue ensemble. Je savais que ça tournerait mal en mode hard à un moment donné, ça devient difficile contre certains persos. Voilà quoi, 18 minutes, ouais, j'ai le temps de d'arriver jusqu'au boss. Je garantis pas de le battre, hein, parce que le boss il est un peu fouinard, hein. Il a un sale coup caché. En fait, je vous expliquerai après, mais on va le battre lui. Parce qu'après il y a quoi? Il y a Duken aussi, il est cheaté complet. Hein. Wouah, putain! Alors, s'il me sort son coup spécial, je suis mort. Putain, mais tu captes la vie qui t'enlève, quoi! Putain, les gars, c'est pas possible, on va reprendre le jeu. Tu peux en faire un écho contre lui, je te jure, ça te fait malade.
là à gauche, normalement il y a une porte, elle a disparu, tu vois. T'as même ça, ils l'ont supprimé quoi. Alors là, faut y aller à la pute parce que là c'est du moins. Par contre, il me fait sa furie, je suis mort direct. Parce qu'elle te nique toute la vie. Ah putain, j'ai pas fait la bonne encore, mais c'est pas possible, ils ont changé la manip ou quoi? Je me rappelle plus. Ah non, vas-y, putain. Non, mais c'est dégueulasse, ça y est, je commence à m'arrondir. Bon. Bon, on va se faire. On va reprendre Guise. Il va peut-être nous aider. Parce que Guise en puissant. Attends, c'était qui? Ah oui, Laurent. On va le prendre en mode nightmare, je crois que c'est comme ça. Ouais. En mode. En mode dark, pas content. Ça fait moche en fait, hein, mais bon, c'est bon. Putain, j'ai pas le temps de tirer mes boules. Oh, c'est le truc de fou, c'est. Oh, mais c'est pas mieux avec les airs, putain! Putain, si j'arrive à sortir sa furie de merde! Ah, mais c'est pas mieux! Oh putain, on est dans la merde, les gars! Ah, je vais pas passer 10 heures sur lui, là! Putain, ce qui t'enlève! Oh, c'est chaud! Oh, je transpire et tout. Bah, j'ai embrouillé un petit peu sur les bougnettes là parce que. Ça va pas de repasser encore un continu là. Putain, mais tu captes les trucs d'enculé tout. Oh putain. Là, oh, la putain. Oh. Oh putain, il va se foutre là. Non. Non, je ne crois pas. Putain. Oh là là. Je suis dégoûté. Bon, continuez. Hein. Je vais jusqu'à 35 minutes maximum, les gars. Non, mais d'ici là, on va le tuer. Guise, je pense que c'est bon, je trouve la technique. Putain. En normal, je l'aurais déjà battu, mais en normal, il était quand même... Il était pas facile. Mais bon, en même temps, je voulais du tu vois, du répondant, quoi. Ouais, faut jouer avec ça, en fait. Faut jouer avec les boules, en fait. C'est pas le choix, hein. Dès qu'il approche, on va le mettre, hein. Oh. Bon, allez, vas-y, on va y aller plus vite, là. Tiens, on tape bouche. C'est du sport, ce jeu. Sur un Neo Geo, c'est du sport, hein, de base. Ah, c'est bon, on a gonflé, là, on va y aller.
Que ça bouge, moi. Oh. Ah. Enfin. Oh putain, Diff. Oh l'enculé. Je pensais pas que c'était à lui. Waouh, lui, c'est pareil, c'est le casse-couille, mais alors monumental. Je déteste l'avoir en adversaire, celui-là. Waouh, son coup de merde, là. Oh putain, mais j'arriverai jamais à sortir cette furie de merde. Putain, toi je l'ai faite, je comprends pas. Peut-être trop vite. Mais Guy, c'est vrai que si tu me maîtrises, attention quand tu fais mal. Pouf. Moi c'est parce que je suis en blanc, je ne maîtrise pas. Hein. Là, j'ai d'arrêt. C'est pas ça, parce qu'après il y a Billy Kane aussi. Billy Kane, c'est un gros problème à jouer. Il est. Il est aussi puissant qu'un Billy Ward, quoi. Avec son bâtonnet là. Bah, je vais à la putain, je vais le avancer. Et il tient un petit coup. Il est bien, mais ça va vite. Ah putain, t'as vu comment tu peux redescendre direct? T'as le choix là. J'ai failli perdre encore. Ah, oh, c'est un truc de fou. Oh putain, Billy, les gars. Alors là, vous avez une petite cinématique sympa. Ils ont fait des progrès sur le décor même. En fait, il a été emboucané par Mr. White, hein, c'est-à-dire qu'il a été possédé, je crois, dans l'histoire. Et là, tu vas voir que ben, il a cassé sa batterie. Et ben sur le décor, ils ont respecté ça. Putain, ça, j'ai trouvé ça génial. Des petits détails comme ça, ils ont fait du effort quand même. Oh putain, en lui ça va être un problème pour le battre. Parce que lui c'est un chou de... Là, faut y aller. Hein. Faut avoir peur de le défoncer parce que là. Oh putain! Ah, tu peux rien faire quand il fait ça. Bon, là par contre, il faut que je change de perso parce que Viz, je maîtrise pas assez. Là, c'est Kim ou Kei, hein, on va voir. Mais même en mode normal, il pose problème lui. Hein. On commence par qui hein. Même en mode normal, il pose de gros soucis à battre lui. C'est terrible. Alors, je crois pas qu'il y ait un bon. Alors là, j'ai une intelligence que quand t'as perdu un continu, il renvoie pas l'animation à chaque fois, tu vois. Ça, c'est par contre. Il y a plein de petits détails comme ça. Oh!
Ah bah parfait. Quelque part, je le mérite un peu. Voilà, on va y aller un chien, hein, si on peut gagner, on gagne direct. On y va direct, on n'attend pas. Ah bah j'ai bien fait de prendre le Kim, dis donc. Alors, est-ce qu'on... Eh ben on arrive au boss, les gars. Eh ben moi je vous dis, là... Là c'est le problème. Je tente quelques fois, hein. Si ça marche pas, je vous dirais, j'irai pas jusqu'au bout parce que c'est un pétage de câble. Ça me fait penser un petit peu à Orange Mécanique, moi ça m'a fait penser à ça. Cette espèce de mec avec sa dague. Et avec sa dague sur le truc là. Mais comme il s'articule, c'est une saloperie. Alors oui, question, je suis une salope numéro 1 lui. Il est plein de trous d'enculé. Esquive de merde. Tu peux pas approcher comme tu veux. Alors ça c'est son coup de merde là, faut rester en arrière. Là sinon en 2 secondes il te défonce la gueule. Bon, et là il m'a laissé gagner, je vous le dis honnêtement. Si je regagne encore pareil, ça me tomberait. Hein. Toi, tu peux pas l'approcher. En plus, il change de côté, c'est pédé là. Lui, en mode normal, ça m'est arrivé de passer une demi-heure pour le battre. Parce qu'en mode normal, il te rend dingue aussi. Voilà, il a plus de te plomber toujours pareil, enculé, là. En fait, il faut un perso qui envoie de la bougnette. Oh. Il a poussé ce marre, mais salement, quoi. Moi je crois que pour ça c'est terrible mec. Alors peut-être qu'avec Guise il y a moyen de faire quelque chose, je suis pas sûr, on verra. Si je perds avec Terry. Putain c'est. C'est pas mal. Je peux pas me toucher cet enculé. Il a été mes mains en plus. Putain j'ai pas réussi. Ah saloperie. C'est dur là, je te dis moi. Ah putain! Ah ça va être difficile. Tu peux rien faire. C'est... Ah, en plus, il y a un truc. Quand tu bats deux rounds, enfin tu bats un premier round et que tu arrives à le battre sur le deuxième. Il s'allonge, tu crois qu'il est mort, et en fait, au dernier moment, t'as une petite lumière de sa canne, et tu crèves. Il faut arriver à l'éviter, en fait. Bon, on va prendre notre ami Guise. Ouais, Guise, on va essayer. Je vais lui demander à Joe, mais... Franchement, c'est un truc de malade. Ah, tu sais, son œil là, de la canne, en fait, c'est une bombe, en fait. C'est un espèce de truc comme ça. Thank you.
On va voir si ça marche. Tiens, dégage. Oh, ça, ça me plaît, ça. Tiens, il est... Oh, ben voilà. Il y a la solution. Je suis pas sûr que le deuxième round, ça sera pareil. Si c'est pareil, c'est du bonheur. Hop, je me fais pas chier. Et c'est un bug, en fait, hein, c'est pas possible. C'est étonnant que je fasse un autre. Ah, c'est pour ça que t'es de merde là, tu peux pas me monter. Oh, attention, attention, attention. Tu vas se mettre sur le côté. Oh, le con de sa mère. Oh putain, je te l'avais dit. Le problème, c'est qu'avec un perso comme Liz, il faut arriver à l'éviter, ce truc-là. Comment tu fais, là? C'est une saloperie, ce putain. Bon, je retente un trou avec Guise, comme ça on va comme ça. Et hop, on finit la vidéo parce qu'on est déjà 36 minutes. Oh putain, mec. Là, c'est vraiment un coup de bol qu'avec Guise ça marche comme ça. Hein. Sinon, tu peux te. Avec les autres persos, tu mets 2 heures pour battre. En mode hard en plus, vas-y, laisse tomber. Avec lequel je peux casser la gueule direct. Allez hop. Voilà. Là il fait rien. Là tu vois le round, je l'ai passé. En fait après il faut pas trop s'éloigner. Un peu comme ça, tu vois, pas trop loin de lui quand il meurt. Putain, je saute trop tôt. Ah, c'est à dire que son tir il part très vite. Putain, je vais me faire péter un câble. Je vais pas passer par un Vega, hein. Par contre, je vais péter un câble. Putain, il a pas sauté. Ta mère. Bon les gars, je vais arrêter là, ça m'a gonflé. Bon allez, une dernière pour essayer de me battre. Oh putain, le goût, il va passer de l'autre côté. Oh putain. Ah, le mec il me donne mal au ventre et tout quoi. Oh putain. Bon, la dernière, si ça marche pas, j'arrête, c'est bon. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ah ouais, je te crève 2 secondes. Faut que j'arrive à le battre le deuxième round absolument comme ça. Je vais faire contre mes boules. Putain, mais c'est pas vrai! Putain, je vais tout casser, j'en ai marre. Je stresse trop en fait, et du coup, bah. Je saute trop tôt. Il y a un timing en fait à avoir. Un peu comme...
ça. Ah, j'ai gagné, c'est bon. Ah, l'enculé. Ah oui, il fallait rappuyer. Putain, t'as niqué comme ça. Putain, les gars. J'ai failli devenir fou, là. Vas-y. J'ai pas vu la fin avec Guise en plus encore. Je sais plus si c'est la même. Après, je crois que c'est une fin. Voilà, celle-là, tu vois, c'est la fin que t'as avec tous les persos en fait. Donc, du coup, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis régalé, c'était rigolo. C'est un jeu vraiment. Prenez-le en émulation, vous le trouvez. Hein, je passe très bien sur la PS Mini. Vous pouvez vous amuser. C'est un bon petit jeu, faut le connaître. Moi, c'est grâce à celui-là que j'ai connu après la version dans le jeu en fait. Hein, parce qu'après, j'ai voulu le tester. Comment c'était sur AES et. Alors sur AES, sur le moment, ça m'a fait drôle quand j'ai entendu une musique cartouche, quoi. Mais voilà, parce que j'étais habitué aux musiques CD sur PlayStation. Et ouais. Un bon petit jeu, hein, franchement. Sur PlayStation, je crois qu'il est pas très très cher. Hein. Vous le trouvez peut-être dans les 30 balles. Je sais pas combien il est. Il y a deux éditions, une édition Best Player et une édition normale. Et voilà, fin écrit en français en plus, tiens, c'est rigolo ça. Bon, bah les enfants, ah oui, par contre, un petit truc, c'est que sur la version RBS de la Neo Geo CD, quand tu le finis, tu as le clip de Blue Mary en fait qui chante avec tout un tas de musiciens. Ah, ben voilà, là vous avez la musique. Mais vous n'avez pas les images. Ce qui est un peu dommage. Je pense qu'après, voilà, c'est pareil, ça me prend de mémoire. Alors, c'est vrai, la version Neo CD reste une excellente version pour le RBS. Il n'y aura pas donc ce délire Dominated Mind, mais moi je trouve qu'au niveau des chargements, ça va, il y a pire. Quoi. Voilà, t'as la musique de Blue Mary. Voilà, bon. Après, c'est bien qu'ils aient fait ça sur la PlayStation. C'est couillu d'avoir voulu faire une adaptation comme ça, qui a été faite par Yume Kobo d'ailleurs. Hein. Donc, Yume Kobo, si je dis pas de conneries, c'était un jeu de tir à Pulstar, je sais plus lequel. Blazing Star, je sais plus dans les deux, je confonds à chaque fois. Enfin, voilà! J'espère que ça vous aura plu, vous êtes éclatés comme moi. Et puis bon, ben, moi je vous dis à très bientôt les enfants. Je vous laisse la musique en fond. Et puis bon, on se retrouve pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait vraiment super plaisir. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao les amis.